Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Depuis longtemps attendu par les développeurs, le système de réputation est un socle sur lequel l'avenir de Star Citizen pourra se construire. L'application de réputation vous permettra de suivre votre lien actuel avec une entité. Cette entité peut être autant un PNJ qu'une entreprise, ou encore autre chose. À partir du moment qu'il s'agit d'une entité persistante, il est possible de suivre les valeurs rattachées pour l'augmentation de votre réputation auprès d'elle. Les valeurs traquées pour chaque entité se divisent en plusieurs catégories. L'affinité, qui mesure la façon dont l'entité vous apprécie et qui bien sûr peut être modifiée par de nombreuses choses, comme la complétion des missions, mais aussi la façon dont vous les effectuez. Cependant, il est à noter que votre comportement au quotidien peut avoir un impact sur certaines affinités. Concernant les organisations, l'affinité déterminera leur comportement vis-à-vis de vous, pour savoir s'ils vous attaqueront ou non par exemple. Après cela vient la jauge de confiance, ou carrière concernant les entreprises. La confiance, qui est exclusive aux donneurs de mission, reflète leurs opinions sur vous, autrement dit la façon dont ils jugent votre capacité à accomplir une mission. La carrière, quant à elle, est la façon dont est gérée cette même valeur par les organisations, à la différence qu'au sein d'une entreprise, les carrières peuvent être séparées en différents secteurs. Par exemple, Crusader Security peut posséder une branche de chasse à la prime et une autre consacrée à la défense. Chaque secteur aura ensuite des rangs en son sein que vous pourrez gravir et qui détermineront quel type de mission vous seront attribués. Le grand avantage de ces rangs est qu'au fur et à mesure que vous les débloquerez, vous pourrez recevoir des récompenses permettant d'ajouter une structure de progression au sein du jeu. Investir du temps dans la montée d'une réputation vous permettra également de partager des missions avec vos amis, auxquels ils n'auraient pas accès autrement, étant soit intéressés par d'autres réputations, soit n'ayant pas eu le temps de la monter. Bien que la première version de la réputation en 3.13 s'intéresse principalement aux missions, de nombreuses choses sont possibles dans l'avenir, comme le fait de pousser un donneur de mission ou tirer sur un de ses amis pour faire baisser votre réputation auprès de lui. Bien qu'il ne s'agisse que d'hypothèses, durant une discussion, des idées plus poussées ont été amenées sur la table, comme l'idée de porter une tenue inappropriée devant Constantine Hearthstone ferait baisser votre réputation auprès de lui. Mais cela concerne aussi des choses plus communes comme aborder un vaisseau appartenant à Crusader Security ou vous introduire dans des zones dont l'accès ne vous est pas autorisé. Quoi qu'il en soit, l'objectif à long terme est d'ajouter de l'intérêt aux organisations en les rendant moins neutres. Certaines pourraient apprécier vous voir faire du PVP ou de la contrebande, tandis que d'autres non. Tout cela vous permettra de vous faire ressentir en jeu ce qui n'était jusqu'alors qu'une description sur un site web. Tout cela nous amène à un dernier concept qui est le glissement au fil du temps. En fonction des organisations ou des PNJ, votre réputation pourrait augmenter ou diminuer par elle-même. L'intention n'est pas de vous pousser au farm intensif, il s'agit plus de vous récompenser pour quelque chose que vous avez de toute façon l'intention de faire, et de s'assurer que les derniers rangs, les plus élevés, demandent des efforts à l'obtention et au maintien. Cela offrira aux joueurs des objectifs à long terme et la possibilité de se distinguer des autres joueurs. Comme toujours lors de son implémentation en 3.13, les devs seront attentifs à tous les retours des joueurs et modifieront l'application au besoin. Passons maintenant à la liste non exhaustive des nouveautés arrivant en 3.13 ou le patch report. Évidemment, une des premières choses est l'application de réputation dont nous venons de parler, qui aura désormais une influence sur l'ensemble du jeu en ajoutant de la progression et des récompenses, et qui permet déjà de futurs ajouts de récompenses au fil du temps. La 3.13 vaut aussi l'ajout et la modification de nombreuses cavernes pour y ajouter des accès véhicules, offrant de nouvelles possibilités d'exploration. Tout comme les nouveaux astéroïdes utilisant des shaders organiques. Vous trouverez aussi les entrées non commerciales pour les stations de raffinerie, créées pour un rendu plus industriel sur certaines stations. L'amélioration du système Stanton continue sur les planètes et les lunes, changeant de manière drastique le rendu visuel de tous les corps stellaires. À cela s'ajoute un nouveau type de mission, comprenant des marchandises sensibles au saut quantique et des missions de livraison chronométrées, similaires à ce que vous avez pu voir durant la Xenoshred. L'Actor Feature Team ajoute aussi de nouvelles choses en jeu, comme le chancellement de personnages, les fonctions push and pull pour les chariots et les armes sur support. Concernant les véhicules, nous verrons apparaître le docking vaisseau à vaisseau entre le Constellation et le Merlin,
Le docking vaisseau à station, quant à lui, arrivera plus tard en 3.13.x, permettant quelques tests supplémentaires et des finitions. La 3.13 verra aussi apparaître des dégradations sur votre vaisseau. Les nouveaux sous-composants de tête de minage seront ajoutés et les propriétaires d'un 600i, d'un 890, d'un Hammerhead, d'un Reclaimer, d'un Mercury ou d'un Carac pourront faire apparaître le nom de leur vaisseau sur la coque de celui-ci. Et cette fonctionnalité sera ajoutée pour d'autres vaisseaux plus tard. Le très attendu bouclier SDF arrive enfin en jeu, faisant enfin disparaître les trous des anciens boucliers et comprenant de nouveaux visuels servant au gameplay. Pour finir avec les véhicules, le tout nouveau Cyclone MT arrive lui aussi en 3.13, tandis que le Nova Tank et le Hercule arriveront un peu plus tard en 3.13.x. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.